Bienvenue à Vitry-les-Reims. Nous sommes ici et pas ailleurs parce qu'une grande partie des vitraux de l'église de la commune a été réalisée par un seul et même maître verrier. Il s'agit de Bruno Pigeon. D'ailleurs, il est en train de procéder à la pose de l'une de ses dernières réalisations. Une église, c'est quand même un chantier de longue haleine. 10 ans après avoir commencé à poser les premiers vitraux de Saint-Symphorien, Bruno Pigeon s'attaque à ceux de l'entrée latérale, représentation abstraite de la lumière. Environ un mois et demi, en réalisation seulement, parce qu'il y a la conception, la discussion sur le thème, tout ce qui est recherche, qui précède le travail en atelier. Ça prend du temps aussi. Il faut qu'il y ait une homogénéité entre les vitraux enfin, qui sont de part et d'autre. Oui, il faut une continuité, une homogénéité de style, de thème, pas obligatoirement, mais une parenté stylistique, oui. La restauration des vitraux de Vitry-les-Reims, une commande inspirée et financée par un passionné. Jean-Claude Collot est tout simplement tombé amoureux du travail du maître verrier, au point de ne travailler qu'avec lui. J'ai confiance. Il m'explique tout, il m'explique encore quelque chose, mais là, c'est... Je veux dire, je reste pour... Je me répète, je reste baba quand, à l'écouter. C'est ça que j'aurais dû faire au lieu d'être dans les bureaux. C'est ça que j'aurais dû faire, un truc... Me lancer là-dedans un peu, découvrir, créer. Et puis, quelque chose qui reste par la suite, c'est ça, surtout le but. Nos anciens nous ont laissé un patrimoine. Ben, c'est à nous à le garder, puis à le faire fructifier éventuellement, faire de la création. Alors, un vitrail, ça commence toujours par un dessin de cette dimension. Et alors, Bruno, cette dimension, c'est quelle échelle par rapport à ce qu'on voit Là, la maquette que vous avez ici, oui. Elle est au 1/10. 1/10. 10 fois plus petite que l'agrandissement qu'on a ici. D'accord, qui est plus grande que moi, donc qui fait plus de 2 mètres. Voilà, on a 2,30 mètres environ. D'accord. Alors, le dessin est reproduit sur un carton. Et ensuite, sur ce carton, vous mettez un calque. Exactement. Mais vous auriez pu vous servir du carton, non? Mais non, il nous faut... Le calque, c'est un peu le guide qu'on va garder tout le temps entier. Parce que le carton, lui, on va s'en servir. C'est une étape technique pour l'atelier. On va s'en servir pour déterminer, à travers les traits qu'on voit ici, déterminer les patrons qui vont nous aider à couper les verres. D'accord. OK. Et donc, le calque est important par rapport à tous ces petits numéros qu'on voit. Tous les repères qu'on va avoir. On ne va pas jouer au puzzle. Donc, on marque les numéros des pièces. Comme ça, une fois coupés, les verres coupés, on pourra les retrouver et les poser sur le calque. Les quelques 220 pièces du puzzle sont découpées à la main, voire même ajustées pour coller aux dimensions du calibre des cartons. Ça va donner les mesures finales du vitrail. D'accord. Qui vont rentrer dans la pierre de l'édifice. Donc là, il ne faut surtout pas se rater. Exactement. Oui, je le replace exactement sur le verre. Oui, il faut suivre au plus près. Évidemment, on a une marge d'erreur, mais enfin, quand même, il faut tenter d'être au plus proche. Personne dans l'atelier, hormis le maître verrier et son ombre. Bruno Pigeon travaille toujours seul. Moi, ça me plaît beaucoup de faire toutes les étapes d'un vitrail, de voir tout étape par étape. Mais ça met plus de temps. Ah oui, ça met beaucoup plus de temps. Mais la satisfaction, c'est de voir son travail, de le contrôler d'un bout à l'autre. Difficile de savoir ce qui, dans le travail du vitrail, lui plaît le plus. Mais une chose est certaine, la peinture y est pour beaucoup. On va tamiser un peu la lumière qui vient de l'extérieur, qui est un peu forte. Donc le verre, il ne va plus traverser directement par la lumière. Il y aura un léger filtrage. Vous voyez, j'étends la peinture, je la nappe un peu avec le blaireau, là. Une fois que c'est sec? Une fois que c'est sec, là, je peux retravailler dessus, faire des enlevages, gratter la peinture légèrement pour que cet écran soit un peu moins fort, que la lumière passe quand même un peu à travers. Après la cuisson, c'est l'assemblage, étape majeure dans la réalisation d'un vitrail, mais pas la dernière. Il va falloir attendre la fin du panneau, réellement, toutes les pièces assemblées pour un panneau, vérifier les mesures, tasser éventuellement, voir si ça correspond vraiment aux mesures voulues. Et à ce moment-là, je pourrais confirmer la fin du panneau en rabattant les plombs, comme ceci, vous voyez, sur les verres. Ce qui me permettra de souder à chaque intersection avec une pointe d'étain.
Énorme la somme de travail qu'il y a derrière un vitrail. Ça force l'admiration et puis ça rend curieux. À très bientôt ailleurs, en Champagne-Ardenne. Tenez, ça, je me demande bien à quoi ça sert.